Pour les catholiques, le mercredi des cendres, lendemain de Mardi Gras, est censé être un jour de pénitence. Sauf que dans l'après-midi, dans les rues de Cayenne et dans certaines communes de Guyane, c'est toujours la fête pour les carnavaliers, un paradoxe qui trouve son origine dans l'histoire de notre région. Cet événement marquait, si tu veux, un peu plus le bassin caraïbéen, du fait que tous les pays qui ont subi, pas la colonisation seulement, mais enfin l'esclavage, ont subi et ont suivi le calendrier romain. La chose qui s'est produite, c'est que les évêques du bassin caraïbéen, il y a 40 ans, se sont réunis et ont dit au pape de l'époque, je n'ai pas le nom du pape, qu'il faudrait revoir notre situation parce que nos catholiques, nos chrétiens sont en fait encore le mercredi. Les gens s'amusent dans les rues. Oui, je sais, mais c'est une tradition caraïbéenne, elle est dans l'esprit des sociétés. La société a toujours été comme ça. Vaval est donc réduit en cendres après plusieurs semaines de liesse et de défoulement. L'incinération entraîne même chez certains tristesse et désolation. Alors que d'autres, les fameuses pleureuses, maintiennent quant à elles la tradition. Les pleureuses du carnaval qui accompagnent le roi Vaval à sa dernière demeure ont, à l'époque, utilisé des bruits pour calmer, pour étouffer leurs pleurs. On n'entendait pas les pleurs parce qu'il y avait les casseroles là qui traînaient avec une corde et qui circulaient dans toutes les rues, mais les pleureuses, on ne les entendait pas. C'est parce que la tradition aussi a voulu ça pour certains pays. Les années passent et le cycle se reproduit inlassablement, car après plusieurs semaines de fêtes, le lendemain du mercredi des cendres marque l'entrée du carême pour tous les fidèles carnavaliers de Guyane. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.